Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun les potos. Bon, nouveau glitch, comment ne plus avoir de police dans une session GTA 5 online. Ça peut vous servir quand vous avez des colis à livrer, ou vous avez des missions, ou vous voulez vous amuser sur la map. Par contre, je vous le dis direct, si vous êtes mort, si vous faites tuer ou quoi, vous aurez la police après. Donc c'est un blocage de la police, pas permanent. Ok, donc déjà dans votre inventaire il va vous falloir des bières, des Peace Weather. Vous allez recharger au magasin des bières. Ou alors vous allez à votre bureau de PDG, vous avez des bières aussi à la secrétaire. D'accord. Il va vous falloir une boîte de nuit. Donc la boîte de nuit, pas besoin de garage, rien du tout. Et on va aller se bugger, on va faire ça tout de suite. Les gars, abonnez-vous, venez voir les glitches sur la chaîne. Toujours des glitches d'actualité, les gars. Bien expliqué, j'espère. Allez, c'est parti. On va aller boire un coup déjà à la boîte. Vous allez dans la boîte de nuit, il y a une table où il y a des bières. Vous allez en boire 6 ou 7. Ne tombez pas KO avec les bières. Il faudra juste être bourré. Ok, on va monter, on va aller à la boîte. Là, vous voyez cette table, il y a des bières. Juste aller boire. Donc, pensez à avoir aussi dans votre inventaire des Peace Weather. Il va nous en falloir après. Donc ça marche en session normale, bien sûr. C'est le but. Si jamais par exemple vous prenez un hydra ou quoi, ça peut le faire de pas avoir de police. Même si un hydra vous risquez rien, c'est bon. C'est surtout pour livrer des cargaisons, des livraisons de véhicules. Allez, vous allez en boire 6. Donc ça marchera pour Xbox aussi, les gars. Il vous faudra une visée différente d'un autre joueur. Quand nous on va faire l'activité récente, vous allez accepter le premier message et vous allez rester 40 secondes comme nous sur le message. Êtes-vous, vous voulez sûr de vouloir changer la visée. Et là vous refuserez de changer la visée. D'accord? Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. D'abord on va se bourrer et on va aller se bugger à l'ascenseur de la boîte de nuit. Donc c'est très facile à faire, tout le monde y arrivera. C'est plutôt un glitch fun qu'un glitch utile. Hein. Je l'avoue, bon, c'est toujours bien et ça peut servir à quelques-uns. Allez, c'est parti, là on va aller jusqu'à l'ascenseur, les gars. Donc sur PS4, vous allez préparer une activité récente. Acheter un nouveau véhicule ou autre, tant que ça vous lance à GTA Online. D'accord? Dans profil, activité récente. Donc moi je le conseille vraiment pour PS4. Pour Xbox ça va être un peu plus compliqué. Voilà, il faudra que vous vous mettez en visée libre et que vous rejoigniez quelqu'un qui est en visée assistée, ou l'inverse. Alors, vous êtes en visée assistée, vous allez rejoindre quelqu'un qui est en visée libre. Nous on va se mettre sur le message, vous allez valider un message et vous allez rester sur le changement de visée. D'accord? Donc là je vais mettre sur le garage 5. Je vais ouvrir et dès que j'ai l'écran noir, c'est là qu'on va faire le bug. Donc, ou vous rejoignez votre ami Xbox ou alors PS4, deux fois PS, lancez GTA Online et vous restez sur ce message. Allez, vous allez rester à 30 à 40 secondes. Ok, donc je vais attendre avec vous 30-40 secondes sur ce message et on le refuse. Xbox, vous allez refuser le changement de visée. Donc le glitch c'est là, c'est de se faire bugger dans l'ascenseur, ça marchera à tous les coups. Vérifiez quand même que vous êtes dans une session pleine de joueurs. Si vous voulez tuer du monde, ou alors qu'elle soit vide,
si vous voulez faire des missions. Allez, une fois que vous êtes là, les gars, donc il va falloir enlever le casque déjà. Vous pouvez pas boire de Peace Weather si vous avez un casque. D'accord, ça vous dira non. C'est parce que vous avez un casque. Donc, moi, il me faut que je change ma tenue. Je vais dans style d'abord. Changer ma tenue. Trouver une tenue sans casque. Ou sans masque. Tout sans masque. Ok, donc maintenant, je vais dans Peace Weather. Et je bois des bières. Donc, pour boire une bière, vous cliquez X et vous restez appuyé sur X jusqu'à temps qu'il ait bu entière. Ou sinon, si vous lâchez X, vous allez boire une gorgée et ça marchera pas. Donc là, je bois les bières complètes jusqu'à temps que je tombe KO. Allez, ça c'est fait. Nickel. Donc là, vous allez avoir un écran noir infini. PS4, deux fois PS, lancez GTA Online, vous refusez le message. Xbox, vous rejoignez le même ami. Vous acceptez le premier message et vous refusez la visée différente. Ça va vous mettre buggé dans le toilette. Ok. Donc là, on va faire option en ligne et on va lancer un pack criminel. Donc, vous allez juste cliquer dessus, c'est ça qui va vous débugger. Criminel, vous faites retour et là vous voyez dans le toilette, d'accord, sans les WC, donc tout est bugué. Vous allez voir même dans la boîte de nuit, je suis sous la map en fait. Vous voyez la boîte de nuit, elle est vide, complètement vide. C'est bon. Dernière manip, vous allez en ligne, vous allez lancer une activité. Donc activité, jouer activité créée par Rockstar. Vous allez faire une mission, peu importe la mission que vous allez lancer. On va la laisser un peu charger et on va la quitter. Et vous allez réapparaître à l'aéroport. Et vous aurez plus la police tant que vous ne perdrez pas de vie. Donc ce glitch, il est très facile à faire, c'est marrant. Ça peut valoir le coup pour certains joueurs. Voilà les potos. Je vous fais une grosse bise. Je vous dis à bientôt. Ciao.